succeed in life, maybe especially for women, it's important to have the confidence in yourself to really take the opportunities as they come along. Sometimes, you know, we put other people first and that's important, but for success you have to have the confidence and maybe a sense of adventure to take on new things. Sometimes you take a path perhaps not everyone takes. I've moved countries, you know, this is a big, don't think about it too much, you know, just move on and take the opportunities as they come. J'ai eu des défis, une vie paradoxale, une enfance très, très, très particulière, une maman juive, un papa allemand dans un pays musulman, marié à 19 ans, avoir 26, à 26 ans, 4 enfants, et décidé de partir en affaires, décidé aussi d'immigrer avec 4 enfants, une maman malade, donc voilà. Je pense que par la voix de l'innovation sociale, par la voix d'aider les femmes qui vivaient de la violence, par la voix d'aider des enfants qui sont victimes d'agressions à caractère sexuel, on vient d'ouvrir une fenêtre socialement pour dire « Hey, on a un mot à dire et tout le monde, on doit s'impliquer pour faire en sorte que ces enfants et ces femmes soient mieux dans cette société. » On a donné une voix aux enfants parce que pour moi, un enfant qui est victime, c'est un être humain qui doit avoir exactement le même service, la même qualité d'intervention qu'un adulte ou qu'un adolescent. Je me compte très chanceuse d'avoir, d'être arrivée où je suis arrivée aujourd'hui et d'avoir ce poste à McGill, d'avoir cette chance de travailler en recherche fondamentale. Je dirais que c'est un domaine très compétitif, mais quand même, j'ai eu beaucoup de mentors et de support, de soutien alentour de moi qui m'ont aidée à arriver où je suis arrivée aujourd'hui. Même lorsque je suis arrivée ici avec personne, aucun point de repère, j'ai eu quelqu'un à plusieurs étapes de ma vie qui m'a d'une façon différente tendu la main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, n'oublie jamais de retendre la main. When I came back to Montreal, where I was born, after many years in England, I thought, oh well, you know, I've reached a point in my life, I can just relax. I don't seem capable of just relaxing. There seems to me such an excitement and pleasure about taking on new challenges. And if you have those opportunities, I think it keeps you young and it keeps you learning. La réussite, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas nécessairement. Hein? Lorsqu'on démarre un projet, on démarre une intention qui va défoncer justement des barrières, c'est pas la réussite qu'on cherche, c'est le résultat. C'est la détermination, le vouloir. Savoir que vivre pleinement, c'est important. Et vouloir réussir. Mais encore là, la réussite, c'est personnel. Je pense pas que je suis arrivée encore où je veux arriver dans ma carrière. Je suis encore dans la pente montante de ma carrière, je dirais, dans la courbe exponentielle. Et j'ai encore beaucoup de défis à surmonter, beaucoup d'objectifs à réaliser et beaucoup de découvertes à faire. Je dis qu'on n'arrive jamais. Je dis que la vie en tant que telle est une perpétuelle découverte. Elle est en mouvement, la vie. Et tant qu'on va être en mouvement, on est vivant. Et le point le plus important que j'aimerais partager, c'est de prendre conscience qu'il n'y a rien d'acquis. Et c'est ce qui me permet justement d'être en évolution constante. Well, it was a real pleasure to be reassociated with the YWCA through this event because the first time I went downtown by myself was to the YWCA when I was, I think, probably about 13 or 14. So, you know, I see the Y at different stages of my life in different ways, and I think it's an important institution that really helps women have a place of their own.